Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le nouveau launch pool qui va vous permettre de farmer la crypto-monnaie Merl sur Bitget. Donc, vous allez pouvoir gagner de la crypto-monnaie gratuitement en utilisant vos tokens BGB et USDT. Mais avant de démarrer la vidéo, dans un premier temps, si t'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si t'es intéressé par le trading des crypto-monnaies, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur l'exchange Bitget qui va te permettre justement de farmer des crypto-monnaies, donc de générer des revenus passifs avec tes tokens, donc soit USDT, soit avec le token de l'exchange, c'est-à-dire le BGB. Également, je t'invite à venir me follow sur mon compte X. Je te partage pas mal de news, d'analyses autour du monde des crypto-monnaies et je te partage également tous les nouveaux launch pools et launchpads sur le compte X. Donc voilà, je t'informe à chaque fois qu'il y a un nouveau launch pool qui apparaît sur l'exchange, j'envoie, je tweet. Et ça va te permettre de te prévenir pour pas rater les futurs launch pool et launchpad sur l'exchange. Donc dès maintenant, on va aller donc dans l'onglet Earn, launch pool, et on va aller s'intéresser au nouveau launch pool. Donc je vais te faire une présentation également de la crypto-monnaie qui va être listée sur l'exchange et que tu vas pouvoir commencer à farmer dès aujourd'hui. Donc pour commencer à farmer la crypto-monnaie et commencer à générer un revenu passif, dans un premier temps, tu dois créer un compte sur l'exchange Bitget. Donc si tu n'as pas de compte, je te mets mon lien d'affiliation dans la description sous la vidéo. Ce lien te permet d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading. Donc profites-en. Donc une fois que tu as créé ton compte, tu vas devoir KYC, et ensuite en utilisant tes tokens USDT ou BGB, tu vas pouvoir farmer la crypto-monnaie Merl. Donc voilà, tu as une limite de 20 000 USDT et de 20 000 tokens BGB. Et donc une fois que le launch pool aura démarré, c'est très simple, tu cliques sur la pool qui t'intéresse. Donc par exemple, si tu veux staker et commencer à farmer avec tes BGB, tu cliques dessus, tu rentres le montant en token BGB, le montant maximal, et ensuite tu peux commencer à farmer en utilisant tes tokens BGB et USDT. Donc très simple comme d'habitude. Une des meilleures plateformes, encore une fois, Bitget, pour générer des revenus passifs. Donc, tu as les launch pools ici, mais tu as également les pools X, les launchpads. Alors, les launchpads, il y en a très rarement. Dernièrement, il n'y en a pas beaucoup. Mais pool X, par exemple, si tu veux farmer davantage, eh ben, dans la pool X, tu as plein de pools qui te permettent de farmer des cryptos. Donc, là, tu as une pool qui te permet de farmer des ATR, là tu as du Rari, ici du Nao. Donc tu as énormément de pools qui te permettent de farmer plein de cryptos sur l'exchange. Donc maintenant, pour revenir sur le nouveau launch pool, la nouvelle crypto-monnaie, donc très rapidement, une présentation de la crypto. Donc très rapidement, je te fais une présentation de la crypto-monnaie et je vais t'expliquer également pourquoi moi je vais hold, en tout cas garder à moyen terme, toutes les crypto-monnaies que je vais farm durant le launch pool. Donc la crypto-monnaie Merl, c'est le Marlin Chain. Et pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une crypto de type Layer 2 sur le réseau Bitcoin, donc qui permet de renforcer les actifs, les protocoles et le réseau également. Et ça va te permettre également de basculer tes actifs d'un réseau Layer 1 à Layer 2 de manière transparente, toujours sur le réseau Bitcoin. Donc c'est une crypto-monnaie qui, selon moi, à court terme, a énormément de potentiel. Pour une raison toute simple, c'est que en théorie, demain ou après-demain, on va avoir le halving sur Bitcoin. Et le halving sur Bitcoin, à court terme, ou en tout cas à moyen terme, on va dire dans les semaines qui arrivent, en théorie, si les cycles se répètent, eh ben vous allez avoir le bull market, le plus gros du bull market qui va démarrer. Les crypto-monnaies qui vont le plus pump au départ, eh ben ce sera bien évidemment Bitcoin dans un premier temps, mais aussi tous les layers 2 sur Bitcoin. Donc les layers 2 sur le réseau Bitcoin vont également très fortement profiter du halving. Et c'est la raison pour laquelle il y a déjà pas mal de L2 sur réseau Bitcoin qui commencent à pump. Une crypto-monnaie par exemple dans laquelle j'ai investi et qui a énormément monté ces derniers temps, c'est le BVM. Donc le BVM, même chose, c'est une crypto-monnaie de type L2 sur le réseau Bitcoin qui est apparue très récemment, dans lequel j'ai investi et en ce moment elle ne fait que monter. Donc ça c'est le cas en ce moment de la plupart des L2 sur le réseau Bitcoin et c'est en prévision bien sûr du halving qui va arriver. Donc la plupart de ces crypto-monnaies quand elles ont du potentiel, elles ont tendance à pump et à monter et elles vont continuer je pense même après le halving. Parce que c'est des crypto-monnaies encore une fois qui permettent de résoudre des problèmes sur le réseau principal de Bitcoin.
Donc voilà pour ce qui est du lunch pool pour le Marlin Chain. Donc encore une fois, une opportunité de pouvoir générer un revenu passif sur l'exchange et surtout de pouvoir farmer une crypto-monnaie qui a un potentiel de pump à court terme intéressant. Donc là, vous pouvez commencer à farmer la crypto-monnaie dès aujourd'hui et demain, à partir de demain à 10h, il y aura le listing de la crypto-monnaie. Donc ça, préparez-vous, mettez-vous bien à farmer si vous le pouvez, si vous avez des crypto-monnaies disponibles dès maintenant, puisque tout ce que vous allez pouvoir farm aujourd'hui, les probabilités que ça pump demain au listing sont très élevées. Donc ça, c'est l'avantage également de pouvoir farmer donc des launchpads, launch pool, avant que la crypto-monnaie soit listée sur l'exchange. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.